Voyez, la Bible, la foi, c'est du concret. On n'est pas en train là de lire un petit épisode racontant un cocktail politique ou diplomatique. Non, on est dans un épisode qui est inscrit au fondement même de la vie des patriarches, donc au fondement même de la vie de tout le peuple qui est issu d'Abraham. Or, les rabbins diront que qu'est-ce qui nous est montré à travers cet épisode? Il nous est montré que Abraham se conduit comme un juste. Voilà une leçon pour nous. Et le Talmud, qui réfléchira beaucoup sur tous ces épisodes, y est très attentif. Un des rabbins qui vivait à l'époque de Jésus, Shammai, disait: parle peu et fais beaucoup. Accueille tout homme avec un beau visage. Eh bien, voyez, l'accueil de l'étranger fait partie du discernement qui nous permet de reconnaître le juste. Et Abraham, peu à peu, creuse cet archétype du juste, c'est-à-dire à la fois ouvert à Dieu, mais en même temps ouvert à l'accueil de l'étranger. C'est quelque chose que nous avons répercuté dans la tradition chrétienne. Vous prenez Saint Benoît, dans la règle de vie des bénédictins, eh bien, il ne s'agit pas uniquement de prier, il ne s'agit pas uniquement de travailler la terre, mais il faut avoir un espace où l'on accueille tout pèlerin. Cet accueil est un signe de pauvreté, hein. Le pauvre n'est pas celui qui n'a rien, mais c'est celui qui accueille en donnant ce qu'il a. Voilà le juste. Et on peut d'ailleurs se demander si notre société, de ce point de vue-là, est une société de justice. Est-ce qu'elle sait accueillir l'étranger ou est-ce qu'au contraire, elle le repousse? Quand on voit le nombre de codes qu'il faut pouvoir faire avant de pouvoir monter dans un immeuble, on peut se demander si l'accueil est encore de mise aujourd'hui. C'est un élément non pas de condamnation, mais au moins de discernement. Et vous voyez, à travers un événement comme la phylloxénie, il y a toute une figure du juste qui se construit. Si évidemment vous lisez simplement ça comme un petit épisode banal de la vie traditionnelle de l'époque, vous passez à côté du cœur de ce récit. Or, précisément, là vous n'avez pas simplement l'histoire d'Abraham, mais c'est l'histoire de tous les fils d'Abraham. Abraham n'est pas simplement un héros, il devient un exemple. Et là, vous avez quelque chose de très important qui est en train de se passer. On n'est pas en train de vous raconter l'histoire d'un individu, mais d'un modèle. On passe de l'individuel à l'exemplaire. Et l'exemplaire, c'est celui qui est précisément le juste, ou pour les chrétiens, celui qu'on va appeler le saint. Et quand le juste, ou quand le saint, accueille, c'est toujours Dieu qu'il accueille à travers son hôte. Et c'est ce qu'on va appeler un événement. L'événement, c'est quand l'inattendu surgit dans l'histoire. L'inattendu, c'est toujours Dieu qui vient, pas simplement Dieu qui envoie, hein, vous vous souvenez, quitte ta terre pour le pays que je te montrerai, l'erlera, c'est-à-dire va pour toi, c'est-à-dire que d'une certaine manière, en quittant, grandis en quittant tout ce qui t'attache, grandis en t'arrachant à tous les biens qui te retiennent de découvrir qui tu es en vérité. Écoute Dieu, obéis à Dieu. Mais pourquoi faire? Pas simplement pour le plaisir, pour pouvoir précisément l'accueillir quand il se présentera devant toi. Et voyez, là, quand on est chrétien, on voit déjà la préparation de l'avènement du Christ, de l'événement du Christ, puisque précisément, pourquoi il s'agit d'obéir à Dieu, c'est pour pouvoir le reconnaître quand il se présentera devant nous. Mais si on continue à approfondir ce qu'est en train de nous dire ce texte, vous voyez, quand on est accueilli par un juste, c'est-à-dire celui qui, dans le fond, met les petits plats dans les grands, nous considère comme Dieu lui-même qui le visite, on va parler de quoi? Mais on va parler d'essentiel. Et l'essentiel dans la Bible, c'est la descendance. La descendance comme véritable richesse. Vous voyez, cette descendance est tellement importante que lorsque on va vous raconter l'histoire de la création, on va aller au chapitre 2, et le chapitre 2 dit ceci: telle fut, alors on vous traduit comme ça, hein, telle fut la genèse du ciel et de la terre. Ça, c'est une très bonne traduction du chanoine Hostie. D'habitude, vous trouvez telle est l'histoire. Mais derrière le mot genèse, il y a le mot engendrement. En réalité, ce qu'on appelle les toledot, hein, ce sont les engendrements. Il faudrait traduire tels furent les engendrements du ciel et de la terre quand ils furent créés. Vous voyez, l'histoire telle que Dieu la met
en œuvre est toujours une histoire de vie, c'est une histoire d'engendrement. Ce ne sont pas uniquement des hauts faits d'individus qu'on va vous rapporter, mais ce qui importe, donc ce n'est pas la gloire des hommes, ce qui importe, c'est ce que tu vas léguer aux hommes, ce que tu vas transmettre aux hommes. Alors qu'est-ce qu'on transmet essentiellement ? Ben, non pas tant des biens, non pas tant un savoir, non pas tant un patrimoine qu'une promesse. Et là, vous voyez, on découvre à travers ce que disent ces trois personnages, ou peut-être ce personnage, que ce qui est le moteur de l'histoire, en réalité, c'est la promesse. C'est une promesse. Rien ne met mieux en route sinon une promesse dont on sent de génération en génération qu'elle est en train de s'accomplir. Et voyez, on est dans une vérité tout à fait anthropologique. Qu'est-ce qui va constituer l'histoire même d'un enfant ? Eh bien, ce sont précisément les promesses qui sont en lui, que lui n'arrive pas à voir, mais que ses parents voient, et auxquelles ses parents croient. Et peu à peu, c'est en réitérant les promesses, en voyant ces promesses s'accomplir, que l'enfant va grandir en ayant peu à peu foi en lui-même, foi en ceux qui ont reconnu la promesse qui était en lui, et c'est comme ça que se bâtit son histoire. Eh bien, vous avez la même réalité ici. Et la promesse, telle qu'elle est formulée dans ce que disent les personnages, c'est la filiation. Particulièrement importante dans une société patriarcale. Dans le fond, vous voyez, le seul vrai bien, c'est la famille. Et la famille dans la relation père-fils. On ne dit pas que la mère ne joue pas un rôle essentiel. Au contraire, précisément, on n'a pas arrêté dans les chapitres qui ont précédé d'insister sur le fait que Sarah était l'épouse d'Abraham, la seule épouse d'Abraham. Dieu lui a rappelé. À un moment, il essaye bien d'avoir un fils avec une servante, mais non, ce n'est pas lui qui sera le fils de l'élection. Donc vous voyez, la Bible est en train d'insister ici sur la réalité du couple. Et ça, c'est explosif dans l'Antiquité. Jamais vous n'avez un récit antique qui va exalter la figure du couple, non seulement comme couple, mais aussi comme figure de maternelle et paternelle. Et là, c'est un patrimoine fantastique que va léguer la Bible au monde entier. L'importance de la famille, l'importance de l'époux et de l'épouse pour pouvoir engendrer dans une filiation qui est marquée par une promesse. Là est la richesse du juste, sa famille, son épouse, sa descendance, et Dieu bénit le juste parce que à travers cette condition d'époux et d'épouse, à travers cette capacité d'engendrement, il répond précisément à sa vocation qui est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme on vous le dit dès le chapitre 1 de la Genèse. Donc, s'accomplit la promesse, quand je reviendrai à la même date, c'est-à-dire l'année d'après, tu auras un fils. Et là, dans le fond, on est en train de vous dire, vous avez vu comment de trois personnages, on est passé à un seul, que ce personnage-là, cet étranger, est devenu peu à peu Dieu. Et puis, il y a encore un autre personnage qui apparaît ici, et c'est le fils. Et dans le fond, on est en train de vous dire, si tu sais accueillir Dieu, tu sauras accueillir ton fils. Parce que ton fils est vraiment l'étranger qui survient dans la vie de ton couple. Recevoir un enfant, c'est, dans le fond, accepter d'être démuni devant lui, accepter d'être vulnérable, d'être dépassé, voyez. Mais pour pouvoir précisément l'accueillir sans crainte, si tu sais accueillir Dieu dans ta vie, si tu sais accueillir l'étranger, alors tu sauras accueillir ta filiation. Et alors là, évidemment, le récit se poursuit. Sarah, qui est à l'entrée de la tente et qui a entendu la conversation, rit en elle-même. Et là, à nouveau, le personnage se révèle tel qu'il est véritablement, puisque il connaît le rire de Sarah dans son cœur. S'il connaît le rire de Sarah dans son cœur, ça veut dire une chose, c'est qu'il est Dieu. Et notamment, dès le verset 13, le récit continue en disant non plus il, non plus les trois hommes, mais Yahvé, c'est-à-dire Dieu lui-même, dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je puis enfanter alors que moi je suis devenue vieille ? Avec cette phrase qui caractérisera les annonciations et notamment l'annonciation à la Vierge Marie,
Y a-t-il rien d'impossible pour Dieu? On est en train de vous dire que cette descendance inscrite dans la promesse est un pur miracle. Et que se passe-t-il? Parce que le texte est très concret. Que se passe-t-il lorsque tout d'un coup Dieu se manifeste devant vous? Eh bien, vous commencez à avoir peur. Et c'est précisément ce que va dire Sarah. Et voyez, le Seigneur va continuer en disant « À cette époque, je reviendrai vers toi à pareille date, et Sarah aura un fils. » Et Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Et elle avait raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu apparaît, ça n'est jamais pour, encore une fois, faire une petite visite diplomatique. C'est toujours pour nous engager dans la vie, c'est toujours pour nous engager dans l'histoire. Dans le fond, on rêverait tellement d'avoir une terre à notre mesure, d'avoir un petit monde à notre petite mesure humaine. Mais non, Dieu vient, Dieu entre dans l'histoire, non pas pour s'imposer à nous, mais au contraire pour ouvrir cette histoire. Et le juif comme le chrétien vont être marqués précisément par ce qu'on va appeler l'espérance. Si Dieu vient me visiter, ça veut dire que l'avenir est complètement ouvert. La notion de progrès est précisément une notion juive, c'est une notion chrétienne. On peut progresser. C'est quelque chose que l'Antiquité, en termes de progrès, ignore totalement. On aimerait tellement vivre dans un contexte qui soit à mesure humaine, c'est-à-dire un peu rikiki, voilà. Et d'ailleurs, dès qu'on oublie Dieu, on se reconcentre sur un univers qui devient la maison, le chien, la piscine, c'est-à-dire quelque chose de complètement rikiki. On ne voit plus à l'extérieur, on n'imagine plus qu'on puisse se dépasser. Et c'est pour ça que Dieu fait peur, parce que tout le monde sent bien que si Dieu intervient, il va nous bousculer. C'est précisément ce qui s'est passé pour Abraham, c'est ce qui se passera pour tous les personnages de la Bible, et c'est ce qui se passe en réalité pour tous ceux qui font une vraie rencontre avec Dieu. Dieu bouscule. Pourquoi? Parce que là où est Dieu, là est la vie. Et la vie, c'est du sérieux. Et la vie met en route. La vie déséquilibre en permanence, mais c'est précisément si vous voulez marcher, il faut que vous créez un déséquilibre sur de votre corps, sinon vous ne marchez pas. Donc Sarah a raison d'avoir peur et elle va dire « Je n'ai pas ri ». Mais lui, il dit « Non, tu as ri ». Vous voyez, Dieu ne plaisante pas. Tu as ri et je mets en lumière ce que tu voudrais cacher, parce que précisément, nous sommes dans l'épisode lumineux de cette journée. Tout de suite après, le soir va paraître, et on va vous raconter un autre épisode qui, lui, va se passer dans les ténèbres. Il va être question du refus d'accueillir les messagers de Dieu. Il va être question de ténèbres, et il va être question de mort. C'est comme l'anti-reflet de l'épisode qui vient de se passer, qui se passait en pleine lumière, pour un jaillissement de vie jusque dans la promesse de la filiation qui était devenue quasiment inespérée. Et bien là, surviennent les ténèbres, survient la peur, la véritable peur, parce que va surgir la mort de ceux qui refusent d'accueillir l'étranger, qui refusent d'accueillir Dieu.